Vite, une ambulance. Vite, une ambulance. Vite, il y a quelque chose sur la voie publique. Vite, vite, vite. Encore un que les poches n'auront pas. C'est une fille. L'ambulance. Vite, vite, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, vous. Vite, vite. Pas dans nos jambes. Allez, allez, dépêchez-vous. Attention, attends. Tenez la porte. Bon, ben alors. Oh, comme il est mignon. C'est une fille. Elle s'appellera Edith. Comme celle que les Boches ont fusillée vendredi dernier. L'infirmière anglaise. Oh, c'est pas commun. Oh, bah, tu parles d'un nom. Viens, Gassion. Si on rate le train, on se retrouve en tôle. Dépêche-toi. Edith. 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 David, n'as-tu pas trouvé parmi le lot de mes vieilles défroques que ce matin je te vendis à regret? Chant d'habits parmi elles, n'as-tu trouvé tout en l'orgue? Triste, lamentable, déchiré, un douloureux cœur abandonné. Rends-moi, je t'en prie, mon ami, cette chose m'a repris. C'est mon pauvre cœur, j'en ai besoin. Crois-tu, mon Dieu, que c'est bête? Quand tu es venu à mon appel vers l'emplette, je croyais bien n'y pas tenir autant. Quand tu partis chargé de ton triste fardeau, et je pleure mes soucis, mon enfance, et mes chers amours qui ne sont plus que souvenances. Rends-moi mon pauvre cœur, triste objet périmé, revends-moi la joie qui m'a quitté. Dis, chant d'habit, cette pauvre chose, faite pour l'oubli. C'est toute ma vie, oui. Dis-moi, chant d'habit, parmi mes défauts, n'as-tu pas trouvé mon pauvre cœur? Thank you.
maintenant, mesdames, messieurs, pour vous remercier de votre générosité et pour quelques francs de plus. La petite va exécuter pour vous les trois sauts périlleux en arrière. Merci. Mais elle a de la fièvre. Mais elle est malade. Mesdames, messieurs, auriez-vous le courage de laisser cette petite faire des sauts périlleux avec 42 fièvres? Je vous remercie. Votre argent va me permettre de l'amener tout de suite chez le docteur. Ouais, tout ça, c'est de la frime. Boniment et compagnie. Puisque vous insistez, je suis un homme d'honneur, moi. Chose promise, chose due. La gosse va vous interpréter une chanson. À toi, petit. Oh, dis chérie, oh, joue-moi-en. La trompette, la trompette. Comme ce doit être amusant. Joue-moi-en, oh, dis, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant, dans l'air bête, je le regrette. Mais je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi. Je suis un trompette en bois. Hé, hey, tout là-bas, j'aperçois quoi. Une belle dame qui, dans le fond, ne rit pas de ma chanson. Poupée, elle a comme toi, quoi. Un mari musicien dont la trompette ne joue rien. De temps en temps, il s'apprête à faire taratata. Mais aussitôt, il s'arrête. Car hélas, il ne fait que rappla-pla. Oh, du chéri, oh, chinoisant. La trompette, tu ne m'en joues plus depuis 10 ans. Joue-moi-en, on dit joue-moi-en. Il balbutie en s'excusant. D'un air bête, je le regrette. Et finalement, il reste quoi? Encore un trompette en bois. Encore un trompette en Tiens, te voilà, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais par ici? Bonjour, papa. Bonjour. Comment va ta mère? Bien. Elle m'a dit de te dire que... Je sais. Elle a encore besoin de fric. Tu lui diras jamais jusque-là de nourrir les gosses de son mari. J'ai assez des miens. Pas eux, moi. C'est pas pareil. J'ai encore été sûr que tu sois à moi. Papa! Edith? Bah, qui t'es, toi? Bah, c'est moi! Simone! Ta sœur, voyons! Ah ouais? Bah, tu parles, moi, d'ennemis frangines, j'en ai 36. Je peux plus suivre. Moi, c'est pareil. Et puis, c'est pas fini, t'as qu'à voir. Il y en a peut-être encore un dans le tiroir. Tais-toi et embrasse ta sœur! Alors, mais tu arrives ou quoi? Oui, j'arrive. Et toi? Tu ranges tout ça en vitesse, hein? Et tu me surveilles le matériel. Allez, tiens. 20 sous. Ils se foutent de moi! On boulonne, et puis merde alors! Qu'est-ce qui bouffe le fric? Les bonnes femmes! Non, mais s'ils croient que je vais me laisser faire, c'est mon fric en plus, c'est pas juste! Je me crève pour des prunes! Mais ça va pas faire long feu, ça c'est moi qui te le dis. Tu veux quitter papa? Ah, bah si seulement je pouvais. Mais toute seule, y a rien à faire. Tu peux pas te planter comme ça sur le trottoir et te mettre à chanter. T'as l'air d'une cloche. Tu pourrais venir avec moi travailler en usine? En usine? Avec ma formation artistique? Mais tu rigoles. Mais tu gagnerais déjà 84 francs par semaine? Tu parles. Dans la rue, on pourrait se les faire en une heure. Tu veux dire que toi et moi, dans la rue comme papa? Ouais. Mais je pourrais pas. Puis j'y arriverai jamais. Tais-toi, laisse-moi réfléchir. Et puis qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? Quand même, c'est pas pareil. Tu sais, je joue de l'harmonica. Allez, viens. Mais tu ne dis pas au revoir à papa? C'est pas la peine. Tu peux pas comprendre. Allez, viens.
C'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, et des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Et alors, Eugénie? Ben, elle va la quitter et travailler pour moi. Voilà. Ouais. Bien joli, tout ça. Elle sera à ma charge. Ah, parce que la petite, elle me rapportait les sous. Je paierai. Va me faire un papier. Je dicte. Moi, Edith Giovanna Gassion, née à Paris le 19 décembre 1915, habitant 105 rue Orfila, profession artiste. Déclare engager votre fille Momone. Simone. D'accord, Momone, Simone. Pour une durée illimitée, logée et nourrie. Au salaire de 15 francs par jour. C'est à Paris le... Quelle journée? 17 septembre 1931. Je signe. Et voilà. Ouais, c'est clair. 15 francs? À partir de maintenant. C'est bien pour se faire plaisir. Parce que j'aurais pu avoir plus. Savoir ce que tu veux. Si c'est de faire du pognon, te débarrasser de moi. Ferme-la. Alors, je suis libre. Officielle. Eh bien, adieu, maman. Comme ça, on sera pareil toutes les deux. Ça nous donne un de ces airs. On dirait qu'on sort de l'école. J'y suis allée, moi, à l'école. Ah ouais? Quand ça? Bah, les deux fois. À la rentrée pour toucher la prime d'électricité, puis le 1er janvier pour avoir les chaussures. Tiens, justement, enlève-les, tes godasses. Ça fera plus minable. Faut que tu fasses pitié, tu comprends? On est toujours trop bien. Tu crois? Je connais mon boulot. Tu vises le pigeon droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'il mette la main dans la poche. Tiens. Ça t'aidera. T'inquiète pas, va. Merci. Sous les rayons troublants de la lune d'argent, ils marchent sans rien dire. Ce sont les tout petits au visage pâli, aux lèvres sans sourire. Les petits qui n'ont pas de nid ont besoin de tendresse, de baisers, de caresses. Ils sont nés d'un serment, comme en font les amants, les soirs de folle ivresse. Les serments envolés, les petits sont restés, que la misère emporte. Vous, dont le pain est blanc, qui avez des mamans, ouvrez-leur votre porte. Commence pas, Finesse, avec moi, je tiens l'œil. Au lieu de marauder, vous feriez mieux d'aller tous les deux à l'école. Les petits qui n'ont pas de nid ont besoin de tendresse, de baisers, de caresses. Sinon, ça ira mal, je te préviens. Sale conne. Les amants, les soirs de folie ivresse. Les serments. Ah, je te dis que ça détourne la cliente. Les petits, non, mais regardez, il n'y a qu'à chanter. C'est comme si elle nous le prenait dans la poche. Vous,
Ma parole, mon honneur, et tu t'appelles de la prison. Attends, tu vas voir ces salopes. Allez, dégage. Mais chien, rien. Tu détournes la client. Tu détournes la client. Oh, oui, monsieur Philippe, je ne demande rien, moi. C'est pas juste, elles nous font de la concurrence déloyale. Monsieur Philippe, vous n'allez quand même pas aller les défendre. Pour des temps. Du calme. Lâche-moi, salaud. Lâche-moi. T'as de la chance, mon petit. Moi, la musique, ça me prend là. C'est vrai? Plus personne t'ennuiera dans le quartier. Vous entendez? Laissez-la chanter. Non, si on les faisait payer comme les autres, elles prennent le pognon des clients. Parfaitement, il n'y a pas de raison. Tu paieras à Constantini. Je paierai? Mais comment ça, je paierai? Non, mais ça va pas. La sécurité, ça compte dans la vie, mon petit. La sécurité. Allez, on s'en va. Mais c'est pas juste. Tais-toi, mon homme. On s'en va, j'ai dit. On n'en a rien à foutre de ces types. Il a raison. La sécurité. Mais t'es pas folle. Tu vas quand même pas... Ramasse. Écoute, il nous protégera. Puis un type comme ça, ça nous classe. C'est pas si mal. Ça nous classe? Une fille à Félix, c'est pas n'importe qui. Tu crois qu'on est aussi bien qu'elle? Non? Non. T'as vu les robes qu'elle se paie? Dis donc, l'amour, ça rapporte. Ah, tu parles? Puissance fatiguée, en plus. Quand elles sont pas couchées, elles s'appuient contre le mur. Eh ben, si t'appelles ça l'amour... Elles en ont de la chance. Te laisse pas aveugler, momone. Tout ça, c'est de la frime. L'amour, c'est autre chose. C'est quand la femme choisit. Un homme lui plaît, alors elle lui dit, viens. Pour rien, tu comprends? L'argent, ça salit tout. Dis donc, l'argent, les types le leur donnent avant ou après? Parce que s'ils le donnent pas avant... Laisse tomber, tu veux. Tu crois qu'elles ont des enfants? Non. Mais comment elles font? Ben, y a des trucs. Des trucs? Laisse tomber, c'est pas de ton âge. 4 francs 75, 4 francs 76, 4 francs 80, c'est pas la gloire. Bon, allez, viens, j'ai un rencard. Avec un homme? Jette un café. Merde. Quand même garder 20 sous pour le café, non? J'ai oublié. Simone, tu sais très bien que tant que j'ai pas bu mon café, je peux pas chanter. Mais écoute, mon vieux fric, il est parti tout seul. Et toi alors, tu sers à quoi? Mais c'est toi qui m'as dit... Oh, tais-toi. Je te jure, des fois, je me demande vraiment ce que je fais avec toi. T'es même pas capable de tenir la caisse. D'abord, c'est toi qui dépenses tout ce qu'on gagne. Tout ce que je gagne, tu veux dire? C'est pas juste. Hein, c'est pas juste, hein, nien, nien, nien. Simone! Maman, reviens ici, tout de suite! Qu'est-ce que t'as, maman? Qu'est-ce qui te prend? Je rigolais, quoi, c'est tout. Je le pensais pas. C'est vrai?
Tu vas quand même pas t'en aller pour ça. Tu vas pas me quitter. Toi alors. Est-ce que tu m'as fait peur? J'ai cru que j'allais me retrouver toute seule. Reste avec moi, maman. Tu veux bien? Promets. Je te le promets. Allez, c'est ça. Allez, allez, tais-toi. C'est à vous, les sous. Ta gueule. Allez, bois un coup. Bois, ça t'aidera. Et les gars, j'avais vu, regardez. Foulez la paix. Ben quoi, on peut plus rigoler. Foulez la paix, je t'ai dit. Ah, laisse, maman, je bigle encore. Et à boire pour tout le monde. C'était pas bien, comment est-ce qu'on va bouffer? Allez, chante une chanson. Ta gueule. Ta gueule. C'est ma petite sœur. Je veux qu'on la respecte. Ne fais pas attention, elle est saoule. Allez, 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 prends de l'air. Faut que je termine ma chanson. Je suis saoule. Oh oui. Mais je termine toujours ma chanson. Ouais. J'ai retrouvé la. Toutes les peines, tous les tourments, salons, et toutes mes larmes d'enfant. Se marier? Laisse-moi tranquille. J'en ai assez. T'as pas confiance? Tu verras, je m'occuperai de toi. Va-t'en. Je ne veux pas qu'on se moque de toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Puis qui t'es d'abord? Je m'appelle Louis Giraud. Je fais des livraisons en ce moment parce que j'ai pas de boulot. Mais je suis maçon. T'es mignon. Toi aussi. Oh, moi? Quand je vais me lever, tu vas croire que je suis toujours assise. Ma mère est plus petite que toi. Alors, on se marie? Qu'est-ce qu'elle va dire, ta mère? J'ai 17 ans. Et puis, si elle n'est pas d'accord pour les papiers, eh ben on attendra, c'est tout. Quand mon père trouvait une fille, tu crois qu'à chaque fois, il passait à la mairie? Encore ici, celui-là. Comment tu le trouves? Mais attends, moi, il fout des vacances. Si on peut plus oublier tranquillement, attends. On s'est mis en ménage. Il m'aime. Il va rester. T'es à moi. T'es à moi.
Reviens-moi. Chaque femme a rêvé là-bas d'être belle et toujours adorée. Dans le bleu jusqu'au firmament, les violons jettent leur mélodée. Tous les mots sont plus doux, plus tendres, les serments, c'est l'amour qui bouleverse en chantant. Le pierrot si tendre ne vint jamais la revoir. Qu'un soir, ces douces paroles pour toujours ont pris mon cœur. Ah, que j'étais folle. Au voleur. Oui, mon portefeuille. Au voleur. Au voleur. La montre. Elle sont les mecs avec eux. Qu'est-ce que t'as à dire, quoi ? Bah rien, je vois pas ce qu'on nous reproche. On fait notre boulot comme tous les jours, quoi. On demande rien à personne. Oui, mais ils font les poches des gens qui m'écoutent. T'as raison. Allez les filles, c'est pas les vacances. Allez, plus vite, allez. Alors ? Pour qu'on puisse travailler, il nous faut un attroupement. Oui. Et si les gens s'arrêtent ? Il y a bien une raison. Ils s'arrêtent, je sais pas moi, pour regarder quelque chose, pour écouter quelqu'un. Pour attendre l'autobus. Ils vont quand même pas rester là, rien que pour qu'on leur fasse des poches. Merde, alors c'est vrai, après tout, c'est notre boulot. T'as raison, mon petit, faut bien que tout le monde vienne, non ? Ouais, mais moi, ça me rend nerveuse de les voir comme ça sous mes yeux. Je fais des fausses notes. Tu vois, ça dérange. Ils ont aucun respect pour l'art. Ah, oh, mais si, on aime bien comme elle chante. C'est vrai ? Ah oui, épatant. Et puis, qu'est-ce qu'elle attire comme monde ? Alors, pour nos affaires, ça fait une sacrée clientèle. Client. Et ma voix alors? Oh, on l'aime bien ta voix, mais quand même les clients. Mais t'as pas le droit de profiter de mes clients. On peut quand même discuter. Mais les filles au travail, ça fait trois fois que je vous le dis. Oh, hein? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ben voilà, mais, mon idée. Mais vous n'allez pas? Ne te laisse pas faire! On paie pour qu'ils nous protègent. C'est vrai, vous nous avez promis la sécurité. Écoutez, sur tout ce qu'on se fait grâce à la petite, on nous laisse 10%, ça va? Maman, on se fait avoir. C'est toujours la même chose. On chante et c'est les autres qui ramassent. C'est pas toi qui chante, c'est elle. Bah et alors, faut bien que je sois là, non ? Elle a raison, on est exploité. Mais je paierai plus, vous entendez ? Je paierai plus, c'est fini. Tu paieras, et tout de suite. Tu diras à Félix qu'il peut aller se faire foutre. Bien quand on était toutes les deux. Écoute, maman, arrête tes caprices, tu veux. Pour une fois que quelqu'un m'aime, ne rends pas les choses difficiles. Mais moi aussi, je t'aime. Mais c'est pas pareil. T'es qu'une môme. Tu peux pas comprendre. J'ai besoin de lui pour me sentir en confiance. Et puis, il est gentil avec toi, non? Parce que ça change. Pour lui. Et tu resteras avec nous, idiote.
Toujours. Allez, donne. Félix, donne, je dis. Moi comme ça et je m'en mets une de côté. Taudis la nuit, le cimetière le jour. Dans la rue, au moins, on était libre. C'était peut-être pas drôle tous les jours, mais... Tu veux que j'aille chanter dans cet état? C'est peut-être de ma faute. Ferme-la. Dis donc, le fric que je gagne, vous êtes bien content de le partager, non? Faudrait que je la ferme en plus. Ton Louis, il est même pas capable de rapporter de quoi bouffer. Et ça veut avoir des gosses. Si t'es pas contente du tir, tu nous emmerdes plus. Tu dis ça? Tu dis ça parce que tu le défends même quand il a tort. Mais je sais bien que tu penses comme moi. Alors les nouvelles, c'est pas bientôt fini? Toi, merde. Mais qu'est-ce que t'as? Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman. Oh, je me sens mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, vite! Oui. Qui va la conduire à l'hôpital? Tu l'as coupé sur le mot. Tu lui la ceinture. Oui, il va faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? Va chercher les affaires du petit. Mais quelles affaires? Je ne sais pas, les langes, les couches, les brassières. C'est pas les Jésus, va pas aller que nu. Mais où je vais trouver tout ça? Vous n'allez tout de même pas l'envelopper dans les journaux. Allons, mademoiselle, retournez au travail, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Tu es allée à cette heure-ci? Je sais pas. Dehors. N'importe où. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? J'en ai assez. J'en peux plus, Louis. Je veux m'en aller, Louis. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Mais qu'est-ce que tu as? Laisse-moi partir. Je t'aime. Supporter d'être ici. Je peux pas dormir. Je peux pas respirer. Mais Marcel, c'est ta gosse, tu y penses pas? Je fais que ça, figure-toi. Toute la nuit, si tu veux savoir. Non, laisse-moi! Je t'en prie, Edith. Non! Tu veux retourner dans la rue? Pour chanter, c'est ça? Eh bien, dis-le! Je sais même pas si je pourrais encore. Essaye de comprendre. Tu vois pas que j'étouffe ici? Mais vas-y, vas-y. Retourne avec tes macros et tes putains, c'est ça qui te plaît. Mais pas Marcel. Ma gosse? Je l'emmène chez ma mère. C'est moi qui m'en occupe. Je veux pas que ma fille aille traîner dans les rues. Marcel restera avec moi.
J'étais près d'une gouttière à Matou, dans une mansarde n'importe où, à Montparnasse. Que je suis venue au monde sur les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. À l'heure des repas dans notre garnot, me laissait souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. À l'âge où tous les autres marmots à l'école vont se meubler le cerveau de bonne grammaire, avec un tas de mauvais loupiots dans les coins, on allait jouer au père et la mère. Bien sûr, ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les bonnes manières. À 15 ans, droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Le premier qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu à faire de siège. N'a eu qu'à m'ouvrir les bras et mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui, pur comme la neige. Nous éveillant sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme des moineaux. Me plaqua, il eut tort, je me suis consolé d'un sort qui est le nôtre. Avec un petit gars dessalé, mais qui pour ne pas travailler me vendit à d'autres. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vautre. Chaque soir sur le pavé parigot, on cherche son pain dans le le cœur joyeux comme de moineau. Cigarette.
Il a pris sa gosse. Quoi, Louis? Il a fait ça? Il l'a emmené chez sa mère, enfin c'est ce qu'il a dit. Mais il fallait l'en empêcher. Oh, c'est pas mes affaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, ne tracasse pas, la gosse sera sûrement mieux là-bas qu'ici. Allez, viens, on va la chercher. Mais attends, il faut qu'on se change. Bon, alors dépêche-toi. Et puis non, j'irai pas. Jamais. Mais qu'est-ce qui se figure? Que je vais retourner avec lui à cause de la petite? Et chez sa mère en plus? Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui qui l'a payé. Risquez pas. Si tu t'étais permise à chanter, elle serait toujours restée dans la crasse, là. Mais il n'a jamais rien fait pour elle. C'est bien vrai que sans toi, elle... Et comment? Mais d'un autre côté, Lulu n'a pas tout à fait tort, tu sais. Je suis la mère de Louis. Je veux dire, juste pour quelque temps. Non! Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Seulement chez la mère de Louis, Marcel aura sa chambre à elle. Et puis des repas à heure fixe. Tu crois? Je suis sûre qu'elle manquera de rien. Moi, je lui manquerai. Mais avec notre boulot la nuit et tout, c'est pas possible d'élever une famille. Je sais. Écoute, Edith, tu peux pas t'en occuper vraiment. Je sais. Tu pourras l'avoir autant que tu veux. Puis tu lui donneras de belles fringues. Et de l'argent pour tout ce qu'il lui faut. Écoute, on fera les rues le jour, Lulu la nuit, comme ça on aura assez pour tout. Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rosée pleure avec tous mes chagrins, tout ce que j'aime, qui m'ont aimé dans le jour blême sont effacés. Je sens passer du brouillard sur mes yeux et ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême et fort, je crois les éteindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Tu lui diras de passer me voir jeudi. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant,
jadis quand j'étais belle. Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli, pourtant où sont tous mes amants? Il était, rappelle-toi, t'es même pas fichu de me raconter. On comprend jamais rien quand tu parles. Mais si, je t'ai dit, ça devait être un type bien. Il avait un stylo en or. Je m'en fous du stylo, lui. Bah, il sentait le propre. Puis t'as qu'à regarder son écriture, c'est pas n'importe qui écrit comme ça. Bah, je veux dire, l'écriture, ça veut rien dire. Non mais ça va pas, il manque 20 francs. Oh, moi je fais ce qu'on me dit, hein. Si vous voulez discuter, voyez Félix. Oh merde, c'est vrai, Félix. Comment est-ce qu'on va s'en sortir avec ça? Écoute, Lulu. On aurait besoin d'un peu de pognon en plus. Une avance, quoi. 200 francs, ça suffirait. 200 francs? C'est pour se payer des fringues. On a rendez-vous jeudi matin. Avec une cousine qui se marie. Tu me vois en train de te prêter de l'argent, non, mais... Tu veux que je bouffe la baraque? Écoute, Lulu, 150. Faut qu'on présente bien. Bah, je vais toujours essayer de faire des bouchons, il y a un bonus. Des bouchons? Non, comme les autres? Écoute, Lulu, sois pas vache. Oh, ça suffit. Je t'en prie, allez. Allez, viens, tu vas voir. Alors on se sent un peu seul. Excusez-moi, je suis désolée. Je croyais que c'était mon oncle. Ça va. On va se faire une rue. Encore plus simple. Au moins là on sait mieux. Hey, les bons. Oh, venez ici. Hey. Alors, tu nous offres quelque chose? Ouais. Garçon! Dis donc, ça marche les affaires, à ce que je vois. Ouf, et toi, ça te plaît de chanter à l'intérieur comme ça? Ouais. Nous, on perd de l'argent depuis que t'es rentré ici. Tes clients nous manquent. Je vais te dire, la rue, c'est pas demain que je vais la quitter. Allez, du champagne! Ouais, du champagne! Hé, hey, ça va pas? De limonade pour les filles. Hein? Des limonades? Et les bouchons, alors? Bah, on peut rigoler, non? Je suis pas là pour rigoler, je suis là pour faire mon beurre. Allez, allez, c'est pas une affaire. T'as pas du feu, mon chou? Oh, pardon. Edith, Marcel est malade. Il est à l'hôpital. Je vais te prévenir, s'il te plaît. Marcel Giraud, elle est ici, je voudrais la voir. Allô, docteur, ne quittez pas, je vous passe les visées. Quoi? Ah oui, Marcel Giraud. Mais je viens de vous le passer, docteur. C'est quand même pas de ma faute si on a raccroché. Marcel Giraud décédé. Oui, docteur, oui, je le ressonne. Sa fille d'amie. C'est la cinquième fois qu'il l'appelle. Elle raccroche à tous les coups. Mais Marcel... du bal, un grand coup de cymbale et l'accordéon secoue ma chanson. Les plomb-plomb du bal dans un festival en dessous de chez moi. Tous les soirs du mois, j'ai beau tourner ma clé. Ma clé à triple tour, ils sont toujours mêlés à mes histoires d'amour.
par bouffées jusqu'à mon grenier. Les plans du bal, un grand coup de cymbale et d'accordéon, ce pour ma chanson. On est du chagrin, c'est le même refrain. Qu'on soit presque mort, il joue aussi fort. J'ai bien failli mourir le jour où t'es parti, mais pour les attendrir, mon cœur n'a pas suffi. Les plans du bal, ça leur est égal. Votre nom ? Comment vous appelez-vous ? Gassion. Edith Giovanna Gassion. Non, ça ne vaut rien. Elle a un nom d'artiste ? Huguette Elias. Bon, c'est pas mieux. Je pense faire un petit essai avec vous au Gernis. Un soir ou deux. On verra ce que ça donne. On est payé combien ? Pardon ? Ah oui, combien ? Bah, on n'en est pas encore là. Bah quand même, on est des professionnels. Je fais pas ça. Professionnels ? Tais-toi, t'es pas bien. C'est toi qui m'as dit de m'occuper de l'argent. Mais tu te rends pas compte ? Dans un endroit comme ça. Ah justement, tais-toi ! Je sais plus, moi. Piaf. Piaf. La môme Piaf. Piaf ? Comme un moineau ? Comme les Piaf ? Tu passeras mardi soir. Sola à 8 heures. Tu as une robe ? Bien sûr qu'on a une robe. Mais quelque chose de simple, tu vois ? Oui, et patente. Remarque, ça sonne pas si mal, Piaf. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Puis c'est gentil, un petit Piaf. Ça chante. C'est gay, ça se casse pas la tête. C'est nous, quoi. Non, c'est toi, tu veux dire ? Minuscule et déplumé. Je t'en prie. Il est quand même pas bête, ce bonhomme-là. Ça y est. Oh, merde. Il manque une manche. Oh, c'est pas grave. J'entrerai bras nus, comme Fréhel. Non, c'est pas vrai. Mais tu es folle, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Ah là 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 là. De toute ma vie, j'ai jamais vu une horreur pareille. C'est comme Fréhel. Fréhel, mon Dieu, Fréhel, mais elle a des bras, elle au moins. Regarde-moi tes allumettes et cette dégaine. Et toi, pauvre idiot, tu pouvais pas lui dire qu'elle est tarte, non? Ça, j'ai jamais vu. Je m'en trouve pas si mal que ça. C'est un désastre. C'est un désastre. Il fallait que je sois complètement fou pour faire confiance à deux gourdes pareilles. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même plus le temps d'acheter quelque chose de décent. C'est impossible, mais c'est impossible. Oui, tu te perds la tête, ça sert à rien de t'affoler. J'ai du calme, voyons. Tout est foutu. Oui. Reprends-toi. Tu n'as pas de manche, toi? On en a une? Oh, il y en a une, non, mais nom de Dieu! C'est pas difficile. Il y a qu'à remonter. Il y a qu'à, il y a qu'à, il y a qu'à. Allons, Louis. Laisse faire Anne-Marie, elle va arranger ça. J'ai jamais vu une connerie pareille. T'es trop nerveux. Allez, viens. Tiens-moi ça. Viens. Enlève ta robe. Enlève-la.
Tu as des épingles? Là, dépêche-toi. Passe ça, vite. Tu fais la même chose de l'autre côté. Bon, les filles de ce côté. Mesdames et messieurs, il y a quelques jours sur le trottoir, une petite fille chantait. Une petite fille au visage douloureux. Sa voix m'a ému, m'a bouleversé. J'ai voulu vous la faire connaître. Elle va se présenter à vous telle que je l'ai rencontrée, sans phare, sans apprêt. De la rue au cabaret, voici la môme Piaf. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elle chante ce refrain. C'est nous, les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous, les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur pas exigeant, mais personne n'en veut, ben tant pis pour eux, qu'est-ce que ça fout? On s'en fout, nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Mais un jour, plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir comme un cheval la pitié des champs de la rue, on les emporte à l'hôpital. La foule, ah, ça n'est qu'une grue. Et voilà comment les poupées, les pantins, lorsqu'elles n'ont plus le sou, s'en vont tout à pantin. Et nous, les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches, c'est nous les paumés, les purées paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou, derrière nos convois. Jamais l'on ne voit ni fleurs, ni couronne, même pas une personne. Qu'est-ce que ça fout? On s'en fout. Quand la mort nous fauche, c'est notre plus bon jour. Cloche, sonnez pour les mômes de la cloche. Non mais tu les as vus? Ils m'ont même pas écouté. Même pas écouté. Je comprends pas ce qui s'est passé parce que tu as été... Oh ça va, c'est bon? On se tire, de l'air. Jamais j'aurais dû mettre les pieds dans cette boîte. D'abord c'est pas ma place, t'entends? C'était bien, c'était très bien, bravo ma petite mouche. Tout ça c'est de votre faute avec vos histoires à la noix. La rue au cabaret, je t'en fous. La rue j'y retourne. Jamais j'aurais dû la quitter. Enfin voyons. Mais c'est raté. Vous me prenez pour une idiote. Vous croyez que je vais rester là, à faire le singe devant une bande de bourgeois qui comprennent même pas? Tais-toi maintenant, ça suffit. Écoute-moi. T'étais parfaite.
Un point, c'est tout. C'est moi qui te le dis, c'est mon métier. Tu croyais peut-être qu'ils allaient te lancer des pièces? Mais ils ont même pas fait attention. Ah bah, si Mermoz n'était pas arrivé juste à ce moment-là, ils auraient fait attention, tu peux me croire. Mermoz? Demain, tu vas voir. Eh bien, c'était impeccable. Qui c'est, Mermoz? Tu as raison, elle est solide. Elle s'est pas laissée démonter. Edith, mais c'est pas possible. Mais si, mais je t'ai raconté avec Albert ce qu'on a pu se marier un soir à Pigalle, après son numéro. Ah, c'est la fois où t'as pris 4 jours. Oh la vache, t'as raison, c'était quelque chose. Mais elle est terrible, tu peux pas savoir. C'est alors avec elle, le flic, ça file, hein. Et puis, si t'as du pot. Tiens, c'est là. Je vous demande pardon, elle n'est pas sortie à mon piaf? Oh, elle ne devrait pas tarder. Ah bon, on va l'attendre. Tiens, c'est elle. Eh, hey, c'est déjà la centième. Hé, hey, papa le plaît. Attends, je vais te le présenter. Papa le plaît, je voudrais vous présenter mon ami Julien. Enchanté. Bonsoir. Vous verrez, papa le plaît. Bientôt, vous serez au bistrot comme chez vous. C'est mes copains. Enchanté, monsieur. Enchanté. Vous finissez la soirée avec nous? Ah non. Oui, je vous en prie. Non, non, je regrette, Edith. Vraiment. Ah, papa le plaît, c'est mon premier enregistrement demain. Vous fêtez ça avec nous? Non. On va chez Lulu? Ouais, ouais, ouais. Allez. Non, 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 non. Vous m'en voulez pas trop, papa le plaît, de vous retenir si tard? Oh non. De toute façon, tu sais, j'ai tellement de mal à m'endormir le soir. Vous aussi? Mmh. Je vais vous dire, c'est le silence. Ben, y a rien de pire. Tu crois? Remarquez, Momone, elle se couche, elle s'endort. Eh oui, elle dort. Et nous, on reste avec nos angoisses. Quoi? Le cafard. Moi, de toute façon, je suis toujours heureuse. Vraiment? Ouais. T'es sûre? Ben oui, j'ai qu'à aimer quelqu'un. C'est tout de suite formidable. Si seulement ça pouvait durer. Mais je comprends pas pourquoi. Un matin, je me réveille, c'est fini. Alors tu vas chercher ailleurs? Non, je vais chanter. Je cherche jamais. Les choses viennent ou elles viennent pas. Et quand elles ne viennent pas? Ben... Ben... On se retrouve comme ça à 3h du matin. Tu sais la différence entre nous? C'est que toi au moins tu chantes. Ben, qu'est-ce que ça change? Moi je chante depuis que je suis née. Chanter c'est comme respirer. Je chante et j'attends. Qu'est-ce que tu attends? Je sais pas, papa me plaît. J'ai Momone. Puis j'ai vous. On les types, ça va, ça vient. Et moi, je chante. Je chante. Et j'attends. Edith, s'il te plaît. Excusez-moi. Non, de toute façon, je dois partir. Oh, pardon. Non, ce n'est rien. Ne traîne pas trop, Edith. N'oublie pas que tu enregistres demain. Ouais, je sais. Au Gerny, c'est 1h30. Juste un verre, et puis je rentre à la niche. Allez, je le jure. Oh, mais je t'en demande pas tant. Une seconde. Allez, donne. Ouais, donne, je te dis. Papa le plaît. Mais comment... Vous l'avez laissé tomber. À demain, papa le plaît. À demain. Vous savez ce qui serait écoute, marrant? T'as dit juste un verre. Bah, j'ai pas tort. T'as promis. Mais comment j'ai promis? J'ai toujours fait mon boulot, non? Alors écoute, commence pas à m'emmerder. Si t'es crevé, tu te tires. Merde alors. Juste un verre. Tiens, je te le jure. Ah, tu vois? Quand tu jures, tu lèves un pied puis ça rentre pour du beurre. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens,
traîné par 100 000 musiciens. Un jour ce terre me rendra folle, sans pouvoir, j'ai voulu dire pourquoi. Mais suivez-moi, suivez-moi. Il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Papa le plaît. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat dans ma cœur. Et entre 4h et 6h du matin, où t'étais? Vous savez qu'à demander à ma sœur. C'est toi qui m'intéresse. Je vous l'ai déjà dit, on s'est pas quitté toute la nuit. Francis Villard. Ça dit quelque chose? Villard? Inventerie coloniale. Je venais te chercher au Gernis après le travail. Ah, Francis? Tu l'as présenté le plein. Et après? Ils ont passé un week-end ensemble au Touquet. Mais j'en sais rien. Mais tu savais que Villard était une pédale. Non! C'est pas vrai. D'abord, j'y étais pas, moi. Un soir, tu t'es tapé un homme lombard. Lombard. J'ai vu où t'en es. Un de plus, un de moins. Pourquoi changer la mémoire? Et tu l'as aussi présenté à Le Play. Ah ben voyons, enfin, tout le monde en profite. Mais alors, vous voulez prouver quoi? 8 jours après, Pierre Dary, même tabac. Pense à pas traîner. À peine tu l'as fait connaître à Le Play, qu'il l'a installé chez lui. C'est faux. Mais vous déformez tout. Pierre, c'est un copain. Il était fauché. Alors, jusqu'à ce qu'il ait de quoi s'installer, papa Le Play l'a dépanné. Juste comme ça? Juste comme ça. Papa Le Play. Il me fait mal au ventre, tiens. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Mais justement, t'es là pour nous expliquer. En fait, ton vrai travail au Gernise, c'était de présenter des petits garçons au bon papa Le Play. Il te payait combien pour ça? C'est pas vrai. Je suis chanteuse. Il me payait pour chanter. J'ai rien fait, moi. Je suis chanteuse. Je suis chanteuse. Edith. Edith. Où tu étais? Vous regardez pas comme ça. J'ai rien dit à personne. Rien dit à qui? Qu'est-ce qu'elle raconte? Les flics, tiens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Allez, viens, on te ramène chez toi. Ne touche pas. Salaud! Tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce que j'ai dit aux flics! Laisse! Tu sais plus où elle en est. Parle-lui, toi. Je t'assure, tu te fais des idées. On était tellement inquiets pour toi. J'ai rien dit, va. Vous pouvez dormir tranquille. Salaud! Ils m'ont traité de maquerelle. Hé, Félix, qu'est-ce que t'en dis? Moi, une maquerelle de PD. Laissez-moi faire. Allez, allez. Volcan! Oh, ça suffit maintenant. Chaque fois que tes copains veulent t'aider, tu te mets à gueuler. Allez, viens. Fous-moi la paix! Fous-lui la paix! Parfaitement, fous-lui la paix. Edith, elle est toujours trop bonne. Elle sait pas quoi faire pour tout le monde. Laissez-la tranquille, maintenant. Laissez-la tranquille. Demande à tes copains. Ils sont fauchés.
Juste 200 francs, c'est tout. Le temps de voir venir. On perd notre temps, je te dis. Ce type-là, il vaut pas un clou. J'ai une autre solution pour toi. Deviens chanteuse. Je suis une chanteuse. Mais regarde l'allure que t'as. On dirait une cloche. T'es même pas lavé. T'habilles comme une pute. Si seulement on pouvait. Elle mange comme un cochon. Oh, Raymond. Elle mange pas quand elle chante, ça c'est vrai. Tu es dégoûtante. Une chanteuse. Commence donc à te conduire comme un être humain. Oh là là. Si tu veux travailler avec moi, tu tires un trait et on recommence à zéro. Les nuits de Java et les petits voyous, c'est fini. Allez, viens, dis-nous les cas. Toi, tu es son mauvais génie. Et toi, t'es un pauvre con d'être maman. Il a raison, mais des cloches. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que ah, c'est? Dégueulasse. C'est une robe? C'est pour moi? Elle est comment, tu me racontes? Tu l'as vue? Bonjour, on est dans l'oreille. Mais qu'est-ce que tu fais de mes affaires? C'est ici que tu dois passer, crois-moi. Tout ce que tu feras ailleurs servira à rien, ce serait une perte de temps. Écoute, Raymond, pour passer à l'ABC, il faudrait déjà avoir un nom. C'est pas dit, on ne sait jamais. J'ai une idée qui va peut-être arranger les choses. Vraiment, Raymond, des fois je me demande... Écoute, laisse-le faire, qu'est-ce que t'as à perdre? Merci, Simone. Tu m'attends ici. Quand même, ce type-là, il me ferait faire n'importe quoi. Il croit vraiment en moi. C'est vrai, tu sais. C'est aussi son intérêt. Les chansons qu'il écrit, il faut bien que quelqu'un les chante. Mais qu'est-ce que t'as contre lui? Contre lui, moi? Mais c'est plutôt le contraire, oh. C'est lui qui est tout le temps après. T'as rien à dire. Je vais prendre l'air. C'est ça te remettra les idées en place. T'as raison. Mais n'oublie pas Anne-Marie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois très bien ce que je veux dire. Alors? Il a même pas voulu m'entendre. Ça n'a pas d'importance, va. Tu vises trop. Tu vois trop grand. Il a peur du scandale, c'est complètement idiot. Le scandale, ça attire du monde, je le sais. Non, c'est là-dessus que tu comptes? Je finirai bien par le convaincre. J'en reviendrai 10 fois s'il le faut, mais j'y arriverai. Je sais que j'ai raison. Alors c'est encore l'affaire Le Play. Écoute, Edith, il n'y a pas d'autre moyen. Non, je me parais, mon pas comme ça. Non, ce qu'il faut, c'est... Laisse-moi faire, tu veux? Je sais ce qu'il te faut. Je ferai comme tu me diras, Raymond. Auréaïe, Edith, fais attention. Si m'attend en Auré, ce sera mon nom. C'est le futur, pas le conditionnel. Je sais, oh, arrête de prêcher. Oh, écoute vraiment. Bon, quand tu ne sais pas l'orthographe d'un mot, cherche dans le dictionnaire. Mais comment tu veux que je le trouve si je ne sais pas comment ça s'écrit? Et merde! Ce truc-là, c'est un tronc de couillon. Alors tu cherches un mot et puis il te renvoie un autre. Rassieds-toi, Raymond va rentrer. J'en ai marre! Je connais déjà le passé et le présent. Le futur, je m'en fous. J'ai le temps. C'est bien vrai. Et les copains? Allez, toutes les deux.
je vois qu'ils en ont des deux. Tu me rends content, mais je ne sais pas. Edith, tu n'as pas honte? On te casse pas, Rémi. Tes serments, je les connais par cœur. Allez, rentre. Mais ça ne t'attire pas. Je me tire. Rentre, je te dis. Allez, fous-moi la paix. Oh, t'affole pas, vieux. Oh. Rentre. Non. Mais Félix, qu'est-ce qui te prend? Tu vas quand même pas laisser filer ce type comme ça? Laisse. C'est bien pour la petite. Et le fric? Edith, pour nous, c'est important. Laisse, je te dis, c'est plus qu'un crime en légionnaire. Ça me plaît. Ah bah, si t'es pas, ça me plaît. Fous-moi la paix! Non, écoutez. Va te faire voir! Assez! C'est fini. Tu me casses la tête pour te faire passer à la WC, voilà la récompense. Tu te laisses retomber dans cette crasse. Je te préviens, Edith. Tu arrêtes pour de bon ou je te laisse tomber définitivement. C'est la dernière fois que je te le dis. J'en ai marre! Qu'est-ce que t'as dans la peau? Tu viens mes copains? Oh, tes copains, c'est voyous. Peut-être, mais c'est tout ce que j'ai! Écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu fais le vide autour de moi. Et après, tu rentres bien gentiment chez toi. Et moi, dans tout ça? Moi, je reste toute seule. T'es avec Anne-Marie ou t'es avec moi? Écoute, Anne-Marie. Tu choisis. Tu lâches tout, ou alors c'est moi qui laisse tout tomber. Et toi, le premier. Écoute-moi, Anne-Marie, après tout ce qu'elle a fait pour toi. C'est vrai ce que tu m'as dit au sujet de l'ABC? Ou tu te fous de ma gueule? C'est presque fait. Mais Anne-Marie, non. Alors au boulot. Je peux pas faire ça, Anne-Marie. Tu choisis. C'est ta carrière aussi qui est en jeu, non? Alors réfléchis. Faut savoir ce que tu veux. Mais je peux pas faire ça, Anne-Marie. Donnons, donnons. Anne-Marie dans tout ça. Je me demande bien ce qu'elle va penser. Tais-toi. Tu l'aimes, Edith? C'est pas ton affaire. T'as un sacré culot. Écoute. Tu sais tout ce que je fais pour Edith. Je crois en elle. J'ai misé sur elle. Et je consacre toutes Allez, mes forces. Allez, arrête de tourner autour du pot. T'as raison, ce sera plus facile. J'ai pas retenu de chambre pour toi. Et alors? Je suis bien assez grande pour le faire moi-même. T'as pas l'air de comprendre. Il n'y a pas de place pour toi avec nous. Et Edith? Elle est d'accord. Oui. C'est pour ça qu'elle est pas venue. Non, mais tu me prends pour une conne. T'es peut-être malin, mais tu ne feras pas avaler ça. Elle est d'accord. Ça me ferait mal. Dis plutôt que tu profites qu'elle n'est pas là pour régler tes affaires. Et tu les raconteras n'importe quoi ensuite. Débrouille bien. Mais qu'elle, ça marchera. En tout cas, c'est pas toi qui nous mettra des bâtons dans les roues. De toute façon, personne, tu entends? Personne. Non, pas celle-là, je la prends. T'en fais pas, Raymond, je m'en fous. Avec Edith, les amants, ça passe. Dès qu'elle t'aura plaqué, c'est avec moi qu'elle reviendra. T'as vraiment pas la gueule de quelqu'un qui va durer. Tu vas faire tes courses toi-même. 2 heures, ils m'ont fait poireauter à la Société des auteurs. Oui, maman. Elle est partie.
Elle aurait pu ranger mes affaires, cette flémasse. Elle est définitivement partie. Quoi? Elle est partie, qu'est-ce que tu veux? Elle a dû trouver quelqu'un d'autre. Et sans me prévenir, la vache. Écoute, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. On la défend pas, c'est une salope. Elle me laisse tomber au moment où j'ai plus besoin d'elle. Mais où est-ce qu'elle serait sans moi? À l'usine. Mais t'inquiète pas, va, tu verras. Elle tardera pas à revenir ici, se traîner à mes pieds pour que je la reprenne. Plus jamais. C'est fini. Eh, j'ai écrit les paroles d'une chanson. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Fréquentait la rue Pigalle. Pourtant, il y avait dans le fond de ses yeux comme quelque chose de miraculeux. Mais c'est moi, ça, Raymond. Tu l'as écrite rien que pour moi. Il faut bien quelque chose de nouveau pour l'ABC. L'ABC, c'est vrai? La première dans 2 semaines. Oh, Raymond! Allez, fais-moi voir. Fais-moi voir depuis le début. Elle fréquentait la rue Pigalle. Elle sentait le vice à bon marché. Avec moi. Elle était toute noire de péché, avec un beau visage tout pâle. Un peu plus vite. Pourtant, il y avait dans le fond de ses yeux comme quelque chose de miraculeux. C'est ça. Qui semblait mettre un peu de ciel bleu dans celui tout sale de Pigalle. Ça va, ça va, ça va. Reprends du début. Hein? Elle fréquentait la rue Pigalle. Elle sentait la vie à bon marché. Yeah. Elle était toute noire de péché, avec un beau visage tout pâle. Pourtant, il y avait dans le fond de ses yeux comme quelque chose de miraculeux qui semblait mettre un peu de ciel bleu dans celui tout sale de Pigalle. Ça va pas. Faut changer la fin, ça fait pas naturel. Mais c'est ce qui donne de la classe à la chanson, je t'assure, Raymond, c'est ce qu'il fait. Mais ça me gêne, ça fait riche. C'est pas mon genre. Maman, elle pourrait jamais jouer ça à l'harmonica. Ça se retient même pas. Je te jure, dans la rue, ça ferait pas un clou. Hein. Mais tu vas pas chanter dans la rue. N'empêche que ce qui marche dans la rue, ça marche partout. Allez, on reprend la fin à l'octave. Pourtant, y avait dans le fond de ses yeux comme quelque chose de miraculeux qui semblait mettre un peu de ciel bleu dans celui tout sale de Pigalle. Ah, Raymond, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? C'est pour moi? Laisse. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Alors tu continues à te faire expédier ton courrier là-bas. Écoute, je peux pas faire autrement, personne sait encore. Mais écoute, tu la vois tous les jours. Non, mais mon courrier là. Mais comme si elle pouvait pas te faire expédier ton courrier. Mais voyons. Tu me fais rigoler avec tes flammes. Enfin voyons, il y a plus rien encore. Mais voyons, écoute. Ne t'inquiète pas, t'as plus besoin de te gêner. Des salades, j'en ai jusque là. Mais Edith, calme-toi. Tu peux la voir tant que tu veux. Mais Edith, la laisser à 5 heures. Avec le chef d'orchestre,
Cet après-midi, je vais passer une chanson avec tous les trucs qu'ils ont mis au point. Ah ouais? Allez, mets-toi dans un coin. J'essaie seulement de rompre avec Anne-Marie en faisant le moins de mal possible. Mais je t'assure qu'il n'y a plus rien entre elle et moi, crois-moi. Je te crois, Raymond. Gentille. Non, Raymond. C'est fini. Qu'est-ce que tu as? C'est fini, je te dis. Tu as rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, Raymond, non. Et ça va être à moi. Mais pourquoi? C'est fini entre nous, Raymond, je te dis. Un point, c'est tout. Allez, maintenant, laisse-moi, ça va être à moi. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune air. Et les doigts c'est qu'elle en de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de changer cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts c'est qu'elle en de l'artiste. Elle lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique.
pied, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. C'était vraiment. Thank you.